voici pour un nouveau reportage. Nous sommes ici à Sainte-Mère-Église pour les 80 ans du débarquement de Normandie ce 6 juin 1944 où de nombreux militaires ont débarqué sur nos côtes normandes. Dans ce reportage, vous allez pouvoir retrouver différentes interviews. Partant d'une habitante de Sainte-Mère-Église, passant par un vétéran américain et puis par des personnes qui entretiennent des camps de reconstitution. J'espère que ce reportage va vous plaire et puis on se retrouve chaque lundi à 18h pour un nouveau reportage sur le monde en images, sur les réseaux sociaux du monde en images. 5 juin 1944, veille du débarquement en Normandie. Dans la nuit noire, vers 23h en Angleterre, des milliers de soldats alliés montent à bord d'avions et de planeurs. L'opération Overlord, l'une des plus ambitieuses et complexes de la Seconde Guerre mondiale, est sur le point de commencer. À travers les aérodromes britanniques, l'effervescence est à son comble. Les parachutistes américains de la 101e et de la 82e division aéroportée se préparent à être largués derrière les lignes ennemies entre Sainte-Mère-Église et Carentan. They're telling us to get out now. It's gonna be stand up, hook up, go. Leur mission, déstabiliser les défenses allemandes, capturer les ponts stratégiques et préparer le terrain pour les troupes qui arriveront par la mer à l'aube. Alright, listen up. We're gonna be right down the runway, we're gonna be 50 meters. This side of the runway. Les visages sont graves, les regards déterminés. Certains prient, d'autres écrivent des lettres à leurs proches. Chaque soldat sait qu'il participe à un moment décisif de l'histoire. L'obscurité et le silence de la nuit sont bientôt brisés par le vrombissement des moteurs. Les avions décollent, emportant avec eux l'espoir de libération pour une Europe envahie par le nazisme. There, Mr. Pilot, is you about to take a ride on this C-47? I am. You are. You're going to bring tears to my eyes. You're about to take a ride. I flew a 47. I know. And I'm going. Oh, yes, sir. Yeah. Introduce you to Ellen. We just talked to Ellen. Okay, you met your pilots? All right, boys, get ready for the lesson. They need it. All right. Oh, this has got a couple more years experience. Peg, right behind me, Arnold. Voila! So, but this aircraft could take a terrific amount of punishment. I came back from missions with a quarter of my wing shot off, with part of my empennage off, and this aircraft would keep laboring through the air. Just a tremendous airplane. We finally got out. It was Christmas time, and we finally got out as soon as the weather broke. We thought we were going to fly back to our air base in England, but when we got in the air and could see England, couldn't go there. It was a crystal fairyland. Everything was iced over, so we had to land at an emergency landing strip on the English Channel. And so it was the day before Christmas. They said to us they didn't have much food there, but they'd share whatever they had, which was fine with us. And so I had to stay there overnight. And the next day, Christmas Day, I stood on the flight line and watched as ambulance planes, early British soldiers at the time, and the nurses and Red Cross women lined up on the flight strip, and as each ambulance discharged a stretcher, the stretcher bearers brought them out, they would take a sprig of holly and place
place it on his chest and say, welcome home for Christmas. It was a sight I'll never forget. Welcome home. Yo! Alors que les appareils prennent de l'altitude, les hommes regardent une dernière fois la terre ferme. Dans quelques heures, ils sauteront en territoire ennemi, marquant le début de la fin de la tyrannie nazie. La liberté est en jeu, et ces hommes sont prêts à tout sacrifier pour elle. Le 6 juin 1944, Sainte-Mère-Église, Normandie. Au cœur de la nuit, des parachutistes américains de la 82e division aéroportée descendant sur ce petit village français, marquant le début de l'opération Overlord. L'obscurité est percée par les flammes d'un incendie accidentel, éclairant la place principale et révélant les silhouettes des soldats suspendus dans les airs. Le sergent John Steele, l'un des parachutistes, se retrouve accroché au clocher de l'église, observant avec impuissance les combats qui se déroulent en dessous de lui. À travers les rues étroites de Sainte-Mère-Église, les combats font rage. Les parachutistes, souvent séparés de leur unité, s'organisent comme ils peuvent pour repousser l'ennemi. Leur mission est claire: sécuriser cette position stratégique pour faciliter le débarquement des forces alliées sur les plages voisines. Malgré les pertes et la confusion, les parachutistes parviennent à prendre le contrôle du village. Au lever du jour, Sainte-Mère-Église devient l'un des premiers villages libérés de l'occupation nazie après Sainte-Marie-du-Mont, symbolisant l'espoir renaissant de la liberté en Europe. Aujourd'hui, ce village est un lieu de mémoire, où chaque coin de la rue raconte l'héroïsme de cette nuit historique. Pour cela, j'ai interviewé une habitante de Sainte-Mère-Église. Alors, ma grand-mère a vécu le débarquement. Elle vivait de base à Rouen, qui Rouen a été bombardé. Ensuite, ils ont été transférés à Paris, qui Paris a encore été bombardé. Et quand son père lui a dit, vous allez aller dans la Manche. Donc, ma grand-mère est allée chez sa tante et sa sœur chez une autre tante à eux. Sa mère a aussi été bombardée. Mais ils ont eu beaucoup de chance parce que dans la famille, il n'y a eu aucun blessé et aucun mort. Je trouve que c'est un bel hommage parce que dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus beaucoup de solidarité. Et ça fait du bien de voir qu'ils n'oublient pas le sacrifice qu'ont fait tous ces soldats, toutes les familles qui sont mortes, qui ont dû se battre et qui ont vécu l'enfer. L'église avec le parachutiste, où tout le monde passe le voir. Même nous, quand on a emménagé ici, c'est le premier truc qu'on a fait. Et c'est le premier truc qu'on regarde le matin en se levant. Je trouve que c'est le plus bel hommage qu'on puisse aussi bien entretenir ces statues qui représentent ce fameux soldat. Le 6 juin 1944, après l'assaut aérien qui a eu lieu aux alentours de minuit et 1h du matin, l'histoire se joue aussi au sol. C'est à 6h30 que les troupes débarquent sur les plages normandes. Pour les Américains, c'est sur les plages d'Utah Beach et Omaha Beach. Et pour les Britanniques et Canadiens, c'est sur Gold Beach, Sword Beach et Juno Beach que les Alliés débarquent. La batterie de Crisbeck est à environ 6 km de la plage d'Utah Beach, à vol d'oiseau. Et celle-ci devient le théâtre d'une résistance héroïque face à l'invasion alliée. C'est une des premières à ouvrir le feu sur l'ensemble des plages de l'opération Overlord. Ces lourdes fortifications allemandes, faisant partie du mur de l'Atlantique, étaient dotées de canons puissants incarnant la lutte désespérée des forces occupantes contre les forces alliées. Aujourd'hui, la batterie de Crisbeck demeure un témoignage poignant de la bataille de Normandie, offrant aux visiteurs un aperçu saisissant de la stratégie militaire et du courage des soldats engagés dans ce conflit, déterminant pour l'histoire moderne. Pour cela, j'ai pu interviewer des personnes qui entretiennent les camps de reconstitution
côté allemand avec la Wehrmacht, l'armée allemande. Alors, moi c'est Mathias, je suis liégeois. Damien, liégeois aussi. Et voilà, on fait partie du 114e Jäger Regiment. Donc, on reconstitue donc une division allemande qui est passée potentiellement ici dans la Normandie. Surtout pour ne pas que l'histoire s'oublie, car c'est très important et on trouve quand même que ça se perd un peu dans les nouvelles générations. Et du coup, on aimerait bien que ça évite de se perdre dans ces nouvelles générations, justement, parce que c'est quelque chose d'important qui tient à cœur et ça évite de faire des erreurs qui ont été faites, justement. Alors, dans un premier temps, c'est plaignez-vous du fait que nous devions cacher, enfin, que nous devons cacher nos insignes de l'armée régulière de la Wehrmacht, parce que c'est quand même important de bien montrer ce que c'est et que les symboles ne se perdent pas dans l'histoire, parce que à force de cacher, on finit par oublier. Les soldats allemands étaient des personnes comme les autres. C'était des soldats qui ont été envoyés au front, certains contre leur gré, au risque de perdre leur famille, leur travail, leur gagne-pain et toutes ces choses. Mais alors ici on a un camp classique allemand. Donc, en croissant de lune, vous avez en premier des tentes d'officiers, les plus petites, donc camouflées des tentes de soldats, donc on appelle Zelban. Après, vous avez des plus grandes qui restent des Zelban, mais montées en 16 pans. Donc, voilà. Vous avez des camouflés et des non camouflés, bien sûr. Voilà, des camouflés, des non camouflés, un espace de vie commune pour la vie des soldats. Le stockage du matériel, on peut voir des vélos, le coin nourriture, le travail commun. Hein. Ici, on voit que la nourriture va être bonne ce soir. Après la batterie de Krisbeck, c'est aussi le cas pour la batterie de Crasville. Située un peu plus haut géographiquement, aux alentours de Keteu, celle-ci faisait partie du mur de l'Atlantique, vu par les Allemands comme impénétrable. La particularité de cette batterie, celle-ci tirée à l'aveugle, dirigée par la batterie de Saint-Marcouf. Cette forteresse côtière, armée de canons lourds et de bunkers solides, incarne la résistance acharnée des troupes allemandes face à l'invasion imminente. Aujourd'hui, la batterie de Crasville a été rachetée récemment par un groupe d'amis qui se fait et se fera un plaisir de l'ouvrir au public régulièrement, comme nous l'ont expliqué ces deux responsables. Je suis président de l'association Atlantic Wall 44 sur le site de la batterie de Crasville. Disons que nous, on a acheté le site il y a 2 ans. Pendant 1 an, on a un petit peu remis en état tout ce qui se passait, tout le site en entier. Et puis après, on a décidé comme ça de fêter les 80 ans du débarquement. Alors on a voulu faire un camp le plus possible près de la réalité. Et puis avec un panel de véhicules qui part de la Jeep au Dodge, au GMC, on a un avion Waco, une copie à l'échelle 1, quasi unique en Europe. Et puis on a un collègue qui a un char Chaffee et qui tourne et qui fait voir au public un petit peu comment ça évolue. Sur un petit parcours un peu à tank qu'on a fait, une piste à char. Nous, déjà, on veut faire partager notre passion, une passion pour les véhicules militaires et pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc on vient leur faire voir comment ça se passait. On a fait des scènes de reconstitution avec d'autres clubs qui sont venus se greffer à nous, qui sont un peu plus spécialisés dans ce domaine et qui ont participé à ça avec nous. Alors en fait, avec plusieurs potes de plusieurs années, des vieux potes avec qui... On a déjà pas mal d'expériences sur plein de sujets, sur plein d'expériences plus ou moins extravagantes. On a vu une annonce un jour d'un terrain à vendre avec un blocos. Et en 3 jours, on avait acheté le terrain parce qu'on est tous fans, moi peut-être particulièrement, de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille de Normandie. Et on s'est dit, un bunker à vendre avec un terrain, pourquoi pas? Pourquoi pas aller voir ce qui se passe là-bas? Pourquoi pas investir là-dedans pour avoir son petit bout d'histoire à soi, puis pouvoir le partager après. Alors en fait, l'importance de la reconstitution militaire, c'est donner une manière aux gens, c'est un peu comme on a fait sur la batterie là, où les gens peuvent accéder à peu près partout, peuvent toucher de leurs mains, peuvent se rendre compte avec leurs yeux comment ça se passait,
même les habitants du coin, hein, pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils se réapproprient leur histoire. C'est pour ça qu'on fait un accès gratuit sur cette batterie. C'est pour que les gens puissent se rendre compte réellement comment c'était, qu'ils aient accès à tout, qu'ils puissent toucher, monter sur les véhicules, se rendre compte du déplacement, se rendre compte que c'était peut-être pas si simple, peut-être pas si ludique, peut-être qu'il n'y avait pas de côté héroïque comme on voit dans certains films hollywoodiens, mais que la vie à ce moment-là, elle était dure, que c'était quand même la guerre et qu'il y avait des choses difficiles. Et ça a marqué le territoire, parce que les territoires sont modifiés, sont transformés avec les constructions, avec tous les bombardements, mais ça a aussi modifié la vie des gens. Avec tout ce que la guerre peut apporter en fait. Alors oui, effectivement, des milliers tous les jours. Le message que je voudrais passer, c'est transmettre. C'est qu'en fait, nous, on essaye de leur faire passer, moi j'essaye de leur faire passer personnellement avec les visites guidées que je fais, qu'ils retransmettent l'histoire, qu'ils expliquent aux habitants de Craville, aux habitants alentours, et puis à tous ceux qui sont venus, qu'ils expliquent autour d'eux un peu comment ça s'était passé, que les choses n'étaient pas forcément roses, qu'elles n'étaient pas forcément moroses tout le temps selon les conditions, selon les événements, mais expliquer comment ça s'est passé pour pas qu'il y ait d'oubli en fait de cette période de l'histoire.